Salut tout le monde, c'est Tristan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour pour faire une nouvelle ouverture sur DC de Paldea. De tous les items que nous avons ouverts sur cette série, un seul manquait à l'appel. Et une fois que ce coffret de dresseur d'élite aura été ouvert, la boucle sera donc bouclée et nous aurons ouvert tous les items de la série EV4.5. Le TB Mimiki est sous nos yeux, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Il était vendu en quantité limitée à Micromania. Donc, c'était... Euh, il en restait plus que deux. C'était très certainement un restock. Un restock ou un déstockage. Peu importe. Donc, j'ai eu le coffret Mimiki. Avec... Euh, <laughs> voilà, vendu en quantité limitée. Toujours à 59,99. Donc, euh, voilà. On va regarder d'un peu plus près euh, le... Euh, voilà, ce... Ce qui nous intéresse le plus dans le guide de jeu, donc voilà, c'est les petites chenilles, il y a Salamèche, Reptincelle, Entei, ça peut beaucoup avoir, en fait, ils m'ont pas mal de petites chenilles. Euh, et puis, voilà, dans les grosses cartes, euh, ce qui m'intéresse le plus, bon, hein, c'est le feu, le Gardevoir, pourquoi pas récupérer pania, puisque elle aussi, je l'ai tradé pour avoir du 151, et ouais... J'ai dû faire de lourds sacrifices pour avoir euh, ce que je voulais dans la série 151. Et euh, j'aimerais bien les récupérer si possible dans le TB. Donc voilà, comme d'habitude, on a ça, un séparateur. On va compter les, les boosters. Normalement, il doit y en avoir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parfait. Ensuite, il y a les protèges cartes. Voilà, c'est plutôt sympa. Je trouve, je trouve les protèges cartes réussies. Bon, après, euh, l'intérieur, euh, c'est pas trop. Euh, on dirait que ça m'a l'air d'être un petit peu opaque. Ouais, ouais, ouais. Je verrai ça plus tard. Et on a euh, la petite promo de Mimiki. Donc, une SVP, voilà, c'est la 75. Voilà. Donc, Mimiki. Et après, bah, tout le reste, vous connaissez, c'est des énergies et puis il y a des petits accessoires. Donc on s'en fout un petit peu et on va s'attaquer à l'ouverture des boosters. C'est vraiment trop bien de revoir du, du, du V4.5 en magasin. Carte code. Petite carte énergie. Et on espère un meilleur taux de drop que la dernière ouverture. Faire au sein, Camérupt, Baguide... Rhino Love. Et on commence avec une Shiny Full Art. Ah non. Hey, C'est gentil de passer me voir. Dodrio. Eh bah, ben, ça tombe bien. C'est une des petites Shiny qui me manque pour compléter mon petit master set. Ça commence bien. Frigodo Exatu. Donc, Dodrio. Petite Shiny. Dodrio. Voilà. Je déteste ces euh, protège cartes là, j'aurais dû prendre les autres. Tant pis, c'est pas grave. Pochette drac au feu. Voilà. Qu'est-ce que ça fait du bien de dropper dès le premier booster Ça m'avait manqué. Allez, on poursuit avec un deuxième booster. Sors-nous du lourd, s'il te plaît. Le chauve-sourire, Rhino Love, Clove, Fragouin. Ferro Singe Rivers, tout tombe et un petit club full art. Bon, je crois qu'on aurait pu s'en passer. Je dois avouer que je l'ai pas eu beaucoup de fois, donc euh, ça commence plutôt bien cette ouverture avec une full art et une petite shiny. Franchement, je dis pas non. Voilà. 99 Farfa du V, Bagaïd, normalement c'est derrière. Ah non, on n'aura pas d'alternatif. Tarsal et un simple dogrino. Voilà, store 2 hit sur 9 boosters. L'hôpital ne se fout pas de la charité. On poursuit avec le quatrième booster. On espère du lourd, du très très lourd. La énergie des compagnoles, colline claire de lune, reptincelle, briochien, J'ai malheureusement spolé, j'ai voulu aller trop vite. Rien du tout. À part de Drio, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à en tirer. Loclas, Mime Junior, Salamèche, Famignole, Lantern, Qu -ce Que le singe. Qu'est-ce que c'est que ce machin Germéclat. En petite shiny, pas mal. Salamèche. Et un karmadura. Petite shiny, c'est pas celle que je recherche, mais ça se prend. On prend. 3 hits sur 9. Ah, je m'en occuperai plus tard. J'espère que c'est dans ce booster que tout va se jouer. Ah, énergie haut. Nanuf. Fer au singe. Erio, Danfan, je crois qu'on a quelque chose. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a vraiment quelque chose. Ou c'est juste l'holographique Machine, Spectrum. En effet, c'était l'holographique. Plus on avance et plus ça m'inquiète. Mime Junior, Lantern, Colossinge, du V, c'est derrière. Shiny, Shiny Full Art. Ouais, impeccable voler ma chenille foulard. Ça ça, ça m'énerve, je me, je me fais toujours tromper par les bords argentés. On a l'impression de qu'on a affaire à une chani foulard mais non, on a juste une simple petite chenille moti motorizard. Je confonds avec motisma. Vrombri. et Malvalam. Moti, non, c'est ouais, motorizard en petite chenille. Encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Mais c'est vrai que c'est pas, euh, c'est pas une petite shiny, euh, pas une petite chenille. Ouais, Wab. Bon, elle est belle, hein, elle est belle hein, Mais bon, c'est pas, vraiment pas du tout ce que je recherche. En plus de ça, c'est une petite shiny que j'ai jamais dropée. Euh, Bateau dans le quota de... des, euh, des taux de drop de TB. Il Manque plus qu'un hit ou deux et puis c'est bon. Voilà, ça, on s'en fout. Le badiguan, flottillon, faible bol. Reptincelle, donne-moi ta version, petite chani. Hyper bol, super Bourbon. Ouais, bah, ça sera pas pour tout de suite. Xatu. C'est le dernier booster pour aujourd'hui. Allez. Il faut l'encourager à nous donner un super hit. Pourquoi pas une alternative Franchement j'y crois. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois. Sincèrement j'y crois. Élève de Paldea. Patachio. Kierlia. Machine technique point de crise. Krakos. Maintenant, j'y crois plus. Encore moins. 4 hits sur 9. Bon, on n'est pas dans le quota. Mais euh, c'est plutôt pas mal pour une ouverture d'une ETB Mimiki. Parce qu'il y a des ETB Mimiki où bah, les taux de drop ne sont pas du tout au rendez-vous. Ça va de 0 à, à 2 hits sur 9. Et là, bon, là, on a eu 4 hits sur 9. On avait, je crois, eu beaucoup de chance. Peut-être une ETB un petit peu buggée. Mais pas trop. Donc, Clove, Dodrio, Motorizard et euh, Germekla. Donc une follart et trois petits Chani, c'est l'ouverture que je vous ai proposée aujourd'hui. C'est pas la meilleure ouverture que j'ai faite sur EV4.5 qui, mais au moins, ça a le mérite d'être beaucoup mieux que le taux de drop de la dernière bundle. L'ouverture de cette EDB était vraiment très intéressante. On n'a pas eu tout ce qu'on voulait, mais au moins, on a eu 4... Carte vraiment très intéressante, dont une qui n'était pas franchement nécessaire, mais au moins on a, eu, on a, on a sorti la Dodrio en petite chani pour, qui complète mon Buster Set. Il reste encore du chemin pour obtenir les autres, et j'ai tout mon temps. On va, on va prendre tout notre temps, et puis euh, on finira par les avoir, soit à l'échange, ou bien en effectuant d'autres ouvertures sur la série EV4.5. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo avant de vous en aller. Et on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle ouverture Pokémon. C'était Tristan TCG. À une fois prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt.